Vous avez deux yeux, deux oreilles et vous êtes curieux de nature? Ils sont une quinzaine, rassemblés en ce début de matinée pour une sortie un peu particulière. Des promeneurs invités à devenir à leur tour des sentinelles pour observer les effets du changement climatique sur la biodiversité. Pour l'instant, on a très peu de données parce qu'il faut qu'on fasse connaître cet observatoire-là. Donc l'idée, c'est d'avoir une masse de données très importante répartie sur l'ensemble du territoire et également sur plusieurs années. Des données qui portent sur des espèces communes, une vingtaine, parmi lesquelles la ficaire, fausse renoncule, proche du bouton d'or. La ficaire, pour rappel, donc c'est une espèce qui va quand même fleurir dans les premières, on va dire. Un peu plus loin, une autre plante donne lieu cette fois à une petite dégustation. Vous pouvez la manger si vous voulez, hein. C'est comestible. Et c'est très bon, moi c'est une de mes plantes sauvages préférées. L'alière, comme son nom l'indique, a un goût d'ail. Et c'est le repas préféré de la chenille de l'aurore, un papillon à suivre lui aussi dans le cadre de cet observatoire, tout comme le lierre grimpant. C'est une espèce qui est présente sur Terre depuis vraiment très 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 longtemps. On a l'impression que c'est forcément compliqué d'étudier la nature, qu'il faut avoir beaucoup de connaissances. C'est pas faux, mais il y a aussi la nature qui est à portée de main et on peut facilement identifier des choses. Identifier sur le terrain ou via un site internet dédié, chacun de ces promeneurs peut alors devenir membre à part entière de l'observatoire. Moi, je trouve ça très intéressant en tant que citoyen, sans forcément avoir un cursus naturaliste ou dans ce milieu, de pouvoir participer en fait à son niveau. C'est des végétaux et des animaux qui sont chez nous, donc c'est très facile. Voilà, ça peut être dans le jardin, ça peut être devant la porte, donc c'est l'intérêt. D'autres sorties naturalistes comme celle-là sont d'ores et déjà prévues sur la métropole bordelaise, et notamment en juin prochain avec pour thème les reptiles et les amphibiens.